Bonjour à tous, donc Jonathan, gérant de l'agence Curucci Timo à Saint-Palais. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy Dulot qui va se présenter, spécialiste assurance de personnes, qui nous a fait une vidéo, j'espère que vous l'aurez vue, sur les différences entre assurance décès PTIA et l'intérêt de souscrire la PTIA en plus de son assurance de prêt. Et cette vidéo, je voulais que tu nous expliques. Déjà, tu vas te représenter d'abord et tu vas nous expliquer quand on achète sa résidence principale, avec un prêt bien entendu. Quelles sont les spécificités par rapport à cette fameuse PTIA? Parce que je sais que pour toi, c'est un cheval de bataille. C'est important de bien y consacrer un peu de temps. Alors, dis-nous tout. Tout à fait. Mais bonjour Jonathan, bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy Dulot, agent général AXA, prévoyance et patrimoine, spécialisé en protection sociale et en assurance de personnes. Aujourd'hui, on aborde donc le sujet de la résidence principale et de cet achat pour des primo-accédants, qui est souvent le plus important d'une vie. Il faut être très vigilant à bien se couvrir sur l'ensemble des sujets qui peuvent être ceux d'un assuré tout au long d'une vie. Donc, l'arrêt de travail. S'assurer le plus tôt possible pour une prise en charge rapide et complète, plutôt à 100% sur chaque tête. L'invalidité ensuite, partielle, entre 33 et 66% suite à un accident ou une maladie, ou alors au-dessus de 66%. Et la fameuse garantie décès PTIA, qui fait que soit en état d'invalidité à 100%, soit en cas de décès pur et simple, le prêt soit remboursé en totalité. Sauf que c'est là où tu m'as expliqué qu'il y avait une grosse particularité où il fallait faire très attention, fameuse notion de tierce personne qu'on ignore très souvent. Exactement. Et Vas-y. c'est là le point sensible de l'ensemble des assurances offertes par les banques ou certaines compagnies d'assurance, qui fait que une compagnie A indemnisera l'assuré en situation de PTIA que s'il n'a recours à une tierce personne pour se laver, s'habiller, s'alimenter ou pour ses soins. La compagnie B l'indemnisera même s'il n'a pas recours à tierce personne. Ça veut dire qu'un assuré qui a un accident de la vie ou une maladie, qui est reconnu invalide à 100% suite à cet aléa de la vie, se verra indemnisé ou pas en totalité sur son prêt habitat par la compagnie d'assurance ou la banque chez qui il aura souscrit son prêt. Dans le cadre d'un prêt pour acquisition d'une résidence principale, quel est ton conseil, vraiment? Le premier conseil, la première variable la plus importante, c'est la quotité. Quand on emprunte à deux, avec son conjoint, sa conjointe, il y a tout un rapport de revenus à analyser pour savoir sur qui suppose, comment dire, qui supporte le risque le plus important dans le foyer Bien et sûr. dans quelle quantité de prêt souscrire. Le second sujet, c'est la garantie en cas d'invalidité partielle. Il y a beaucoup trop de contrats aujourd'hui qui n'indemnisent que l'invalidité totale. Ça veut dire qu'il faut être invalide à plus de 66% suite à un accident ou une maladie pour pouvoir être indemnisé par l'assurance. Et le troisième sujet, c'est cette PTIA-là. Évidemment qu'il faut être couvert à ce titre-là sans recours exigé à une tierce personne au moins avant 60 ans. Bon, maintenant, je pense que vous savez tout sur la PTIA, l'assurance de décès, etc. N'hésitez pas à revenir vers Jérémy. Et surtout, restez là parce qu'on va faire donc une autre vidéo pour les cas particuliers dans le cadre si c'est un prêt pour un investissement locatif. Tout Parce à que là, fait. tu m'as expliqué qu'il y avait des particularités, je pense qu'il peut être intéressant à ceux qui nous regardent. Tout à fait. Donc, on reste ensemble. À plus.